Bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais parler peut-être pas très fort, j'ai encore un petit peu mal à la gorge. Et donc, on se remet tranquillement, pas vite de tout ce monsieur COVID-là. Mais enfin bref, ça fait du bien d'être avec vous ce matin. Et ça va être un petit vidéo très court, je voudrais pas trop étirer. Bonjour Monique, ça me fait super plaisir que vous soyez avec moi. Et donc, je vais vous montrer une jolie carte, toute simplicité, super cute, avec des beaux petits cœurs. Ça va faire du bien. Alors, je vais simplement aller me brancher. Je vais aller voir sur mon groupe pour être sûr. Voilà. OK. Super. Alors, maintenant que je me vois, excellent. Bonjour, Nikki. Alors. Je vais tourner ma caméra tout de suite et en fait, comme j'ai dit, je vais parler un petit peu moins fort, mais je pense que c'est bon. Hein? Dites-moi là si jamais je descends trop le ton, mais sérieux, je suis toute excitée, je suis bien contente que vous soyez là. Alors, je tourne ma caméra. Bonjour Monique, bonjour Yolaine, Lorraine, excuse-moi. OK, on va se tasser. Oups, pas trop... Bon, c'est toujours mon... De toujours se placer selon l'angle. Bon. OK, ça devrait être bon. Alors, le jeu des tempes... pardon. Le lot que j'utilise, c'est mes mots d'amour. En fait, ce mois-ci, pour le... voyons. Et boy, j'ai le cerveau embouillé, excusez. La classe, la super classe virtuelle. Marie-Josée et moi, on offre une nouvelle façon de faire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter le lot qui est en vedette. Alors, le lot en vedette pour le mois de janvier, c'est mes mots d'amour. Je ne suis pas une fille qui achète ben des affaires de cœur parce que souvent, c'était trop relié à la Saint-Valentin. Sauf que, regardez-moi ça, tu rends ma vie si belle. Ça, c'est vraiment un beau mot. Il y a « bise », « Je t'aime, 1 plus 1 égale mieux, gros bisous ». Fait que, tu sais, pour nos enfants, nos petits-enfants, des amis, je trouve que ça s'adapte vraiment bien. Puis, on peut tellement faire toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est les étampes. Puis, ça ici, ça se trouve être les découpes. Alors, ça ici, ça vient faire une petite enveloppe. C'est vraiment mignon. Fait qu'on a les différents cœurs qui se découpent tous. Puis, juste pour vous montrer... Le papier à motif qui est avec cette collection-là, si jamais vous avez le goût de vous la procurer. Il y a vraiment des... Tu sais, c'est pas juste des cœurs, là. Je veux dire, c'est vraiment... Ça, là, ça se découpe avec les poinçons aussi. Fait qu'il y a vraiment des belles lignes, des beaux motifs, toutes sortes de choses qu'on est capable de faire pour tout au long de l'année. Alors, je reviens avec la super classe virtuelle, la nouvelle façon de fonctionner. Ben, c'est qu'il vous suffit d'acheter pour 120 $ de commande ou plus de n'importe quoi, de ce que vous voulez. Et puis, vous allez pouvoir avoir accès à la super classe. Donc, vous allez avoir 4 vidéos. Une vidéo par carte qu'on vous présente. Fait que, tu sais, même si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire le... Excusez. Vous pouvez faire le même modèle, mais avec ce que vous avez en main aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, avec la commande de 120, ben, on vous envoie le matériel de nos cartes. Fait que, bien libre à vous d'en faire les modèles qu'on vous propose ou d'en faire autre chose. Alors, puis en même temps, ben, avec 120, vous avez 2 cadeaux de la promotion Celebration. Parce que quand on commence, quand on commande maintenant, vu que la promotion est en cours, ben, à chaque tranche de 60 $, on peut avoir des gratuités. Alors, OK, sans plus tarder, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire exactement avec ma carte. On va tasser ça. Alors, j'ai ma base de cartes qui est en piscine partée. Je l'ai coupée à 5 pouces et demi, puis avec ma ligne de 4 pouces et quart. Donc, ça, c'est ma base de cartes. Puis, j'ai déjà un peu commencé parce que je voulais vraiment pas que ce soit trop long et pour économiser ma voix un tout petit peu. Puis, je vais vous dire, l'énergie revient, mais
C'est un petit peu lourd encore, mais c'est pas grave. Hein? Ça, ça fait du bien. C'est du gros bonheur d'être avec vous autres. Alors, j'ai déjà fait ma découpe. Hein? Ça ici, ça vient faire une belle petite étiquette. Puis, cette découpe-là, c'est découpe-là ici. Fait qu'on a le contour, mais on a les petits cœurs en plus qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, je voulais vous montrer qu'on est capable de faire quelque chose de super cute, super simple. Puis, regardez, on a des cœurs pleins, on a les contours, puis on a ces pouites-là, puis on a des belles petites lignes ici. OK? Fait que c'est avec ça que je vais travailler. Alors, je vais vous montrer. En premier lieu, je vais commencer par faire mon étiquette. Et je dois utiliser... Ah oui, c'est ça. Je vais avoir besoin de ça. Et je vais prendre les... ça ici. Alors, ça, c'est comme... c'est un dessin de ligne, hein? Tout simplement. Fait que piscine partée. Sur le piscine partée, j'y vais au centre. Fait que je viens juste faire un petit pouit comme ça. Je viens essuyer. Je vais tasser ça parce que j'avais préparé mes autres étampes. Et puis ensuite, on va venir faire le vœu. Ah, ça fait juste bien. J'aurais pu prendre mon Stamparatus, mais je suis correct avec ça. Et le vœu, on va le mettre en noir par-dessus les lignes. Si vous voulez être sûr que c'est vraiment noir, on peut commencer par étamper à côté. Puis, voyez-vous comment c'est beau, c'est fin. Fait que ça, c'est correct. OK, je vais m'élever pour être sûr d'être droite sur mes lignes. Tiens! Woohoo! OK, je vais juste... mettre ça de côté ici. On va les laisser comme ça. Fait que, sur l'étiquette, ben, mon étiquette, tadam, hein? On va y mettre un petit ficelle après. Alors, moi, je veux... Colipette, je viens de la gorge sec. Comme ça. Puis, comme ça. Donc, je vais juste tasser mes petites choses. Là, je veux que vous voyez. J'ai piscine partée, j'ai ardoise bourgeoise, puis j'ai flamand fougueux. Alors, je vais venir prendre... Ah, j'ai manqué vos commentaires. Colipette, attends un petit peu. Là. OK. Bonjour Sylvie. Bon, oh, Marie-France, bonjour. Bonjour Marise. Tu m'as trouvé, yes, Dolores. Louise, oh, super, super, je suis contente. Alors, on va se faire des tâches de fond. Je vais commencer avec le piscine partée. C'est ma couleur principale. Puis, on va y aller directement comme ça, un peu de façon aléatoire. Je vais y aller comme ça. Puis, je pense que ça va être suffisant. Ensuite, on y va avec le flamand fougueux. Je trouvais que le flamand fougueux, ça venait donner une belle petite touche plus rosée, hein? Plus vive. Ouais, c'est ça que je cherchais. Puis on va en mettre peut-être une juste sur le rebord. Voilà. Puis, on y va dans le gris. Fait que le gris, ça vient faire plus neutre. Tiens, j'en colle une là. Puis, juste pour dire que je vais faire dépasser ici. Hein, parce que j'ai quand même pas trop rempli. Je me suis laissé aller un peu un matin. Et voilà. Bon. Fait que ça, c'est fait. Ensuite, on vient faire... ouais, je vais faire mes gros cœurs avant. Donc, j'en ai un qui est 1 plus 1 égale mieux. Les autres, c'est gros bisous. Tout simplement. Puis vous allez voir selon le montage de la carte, là, le pourquoi. Pourquoi je mets ça comme ça. OK. Fait que on met nos cœurs tout simplement par-dessus. Voyez-vous, tu sais, ça vient... C'est pas la même forme, mais ça vient faire un beau spot de en dessous, je trouve. Fait que on envoie
en différents angles. Tiens, ceux-là s'en vont là. On va y aller comme ça. Mais ça se peut qu'il soit caché par l'étiquette, celui-là. Alors. Fait que ça, c'est beau. J'ai gardé les autres couleurs disponibles parce qu'on va venir prendre le petit pouit. Le petit pouit picot aussi. Bon, on va y aller. Mais là, pour les petits picots, j'y vais dans le piscine party, mais j'y vais en deuxième génération. Deuxième génération, ça veut dire que j'ancre, j'étampe à côté, mais ensuite, je viens faire mon spot. Voyez-vous qu'il est moins foncé. Je veux pas que ce soit trop chargé. Fait que je vais juste venir faire des petits spots comme ça. Je pense que je vais arrêter parce que, sérieux, je voulais pas en mettre trop, là. Et je viens faire la même chose avec flamant fougueux. J'étampe à côté. Puis, je viens faire mon petit spot. Parce que là, j'ai l'étiquette. Hein, on pourra mettre un petit spot ici. Puis, c'est assez. Ouais. OK. Ça, ça suffit comme ça. Et... je vais juste enlever ça, là, ça va aller mieux. On a des petits cœurs aussi. On a des étampes pleines, en vide, juste le contour, puis pleines. Fait que juste les petits cœurs pleins, je vais y aller dans le ardoise bourgeoise. Juste pour dire que je viens faire un petit spot ici et là, là. Tiens, ici. Puis, on en fait dépasser un comme ça. Ah, je sais. J'en en mets un juste pour voir les pointes dans le haut. Tadam! OK, ça suffit. C'est beau. Ça, ça fait mon affaire. Ça, il y a l'étiquette. Parfait. OK, dans l'étampage, c'est pas mal ça. Juste ranger ça. J'ai essayé d'économiser ma voix dans les derniers jours, puis c'est ça, ça va mieux. Alors, j'ai déjà... bon, on va tasser ça. Ça, là, je vais le mettre d'atit direct par-dessus parce que je ne veux pas avoir trop de flafla. Je voulais garder ça en toute simplicité. Et j'ai fait mon enveloppe, puis j'ai fait mon petit carton à l'intérieur, la même chose. Fait que je vais commencer par coller ça. Fait que moi, j'aime bien faire un rappel de l'intérieur de la carte avec ce qu'on fait sur le dessus. Puis en plus, je trouve que ça vient faire une belle finition. Tiens, je pense que je suis pas mal égale. Ça m'a l'air. Fait qu'on a de la place pour écrire. Et voilà. Bon. Pour ça ici, on va se prendre une petite ficelle. Ça, c'est une des nouveautés. C'est ça, ça vient en paquet comme ça. Il y a le petit bleu qui ressemble à une mystérieuse brume. Puis ça, c'est comme, ben, tu sais, avec le flamand, ça va super bien aller. Mais on dirait pétale rose, c'est ça? Ou fleurs de cerisier. Mais avec toutes les roses, là, je suis sûre que ça va super bien aller. Hein? Voyons. Mon collant, il était tout croche. Fait que, on va venir se placer un ruban. Hein? Comme ça. Puis, on va déterminer où est-ce qu'on va pouvoir mettre notre étiquette... vu qu'il y en a beaucoup là, non plus. Non, je pense que je l'aime bien comme ça ici. Fait que si on veut pas cacher nos vœux, faudrait qu'il soit plus en dessous. Soit qu'on le met en dessous. Ouais, ça, je pense que ça a bien d'allure. Hein. Fait que, vous allez voir, on n'y aisera pas le papa matin. On se met... je suis bien collée, hein? OK. Je commence toujours par en mettre un
d'un côté. Je place mon carton sur le papier quadrillé. Puis de cette façon-là, je suis capable de m'aligner. Voyez-vous que j'ai la ligne noire ici, puis là. Fait que de cette façon-là, je sais que tout est bien droit. OK. Bon. OK, on va pouvoir coller ça. Bon, bonjour Suzanne. Ah, oh, cool. Excusez, mais ça, je suis pas vite à matin. Là. Ouf, 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 ouf. Mais c'est pas grave. On prend notre temps. Ça va bien. Tout est cool. Voyons, François. OK, on vient placer notre cadre le plus droit possible. Tiens, comme ça. Ensuite, notre petite étiquette. Ah oui, 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 oui. France, France, France. Ah, regardez qu'est-ce qu'on va faire. OK, j'ai... Bon, cette découpe-là, il faudrait bien pas que j'oublie de la mettre. Puis, on va mettre des points de dimension pour notre étiquette, bien sûr. Mais on va jouer avec l'étiqueur aussi. Puis, regardez bien. Comment est-ce qu'on va faire? OK. Alors, ça ici, on va se le placer comme ça. Puis voyez-vous, là, regarde l'étiquette, là, elle fit pour cacher deux cœurs. Fait que, ben, tu sais, regarde, là, finalement, c'est direct là que ça va aller, là. On y va comme ça. On ne peut pas se danser un peu plus. J'ai pas tout à fait mis à bonne place. Ah! OK. On essaye. Voilà. Hey, là, j'espère que je suis droite, là. Oh! Fait que, ça, puis, regardez bien ça. Je vais me mettre un beau ticker dans le... Oh! Je vais mettre un ticker en dimension dans le petit trou de un des cœurs. Comme ça ici. Hop. On va essayer de le mettre droit là. Hein. J'en mets juste un. Puis, ah! Regardez bien ça. On va en mettre trois. Fait que on en met un là. Un qui va être dans le petit coin. Puis celui-là, je pense qu'on va le mettre. Hey, je sais pas. À l'aide! Non, je pense que c'était... Non, ça fait trop dans le coin. Ah tiens, décalé avec lui. Voilà. OK, bon, ça me satisfait. Youyou! OK. Ma ficelle d'étiquette. Ben qu'un, Maryse! Une chance que t'es là, hein? OK. Check bien ça, check bien ça. Ma ficelle d'étiquette. Hey, Seigneur. Merci, Maryse. As-tu quand je te dis, j'ai le cerveau en compote un peu, là? Tiens, on va l'avoir. Comme ça. Puis on va venir se faire un beau petit nœud. C'est assez rare que je fais ça de même, là, mais je vais le faire comme ça. Hein, parce que là, je peux pas. Je peux pas vraiment faire autrement. Oh, super! On vient couper un biseau. Hein? Puis, on peut y mettre peut-être... Non, je pense que ça va bien tenir comme ça. Un petit peu, Seigneur.
ça retrousse de tous les bords. Tu sais? Bon, ben, tiens, c'est peut-être mieux qu'elle retrousse dans ce coin-là, OK? Que je vais juste y en chopper un petit bout. Puis en haut aussi. Trop long, je trouve pas ça beau. Hein? All right. Ben, voilà. On pourrait-tu se mettre des petits bling-bling ou ça serait peut-être trop, hein? Non, non, j'arrête ça là. Je laisse ça comme ça. Fait qu'on a trois petits cœurs de plus qu'on se garde. Ça, c'est l'enveloppe qui est associée. Puis, on a les découpes, puis on a ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu cute? C'est-tu à votre goût? Oh, yes, merci, Maryse. All right. OK, bon, ben je tourne ma caméra. Ici, comme ça. On replace. Cool! Hey, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ouf! Pardon. Alors, voilà. C'était pour vous faire découvrir le petit mémo d'amour. Et comme je vous dis, ben profitez de toutes les promotions qu'il y a pour janvier puis février. Alors, vous savez que j'envoie toujours un petit cadeau à celle qui me commande dans le mois. Je l'envoie pour le mois suivant. La promotion Celebration, c'est facile. Si vous achetez pour... Ben, peu importe le montant que vous achetez, pour chaque tranche de 60 $ ou de 120, vous avez des produits qui sont offerts. Fait que vous les choisissez à votre goût. Puis, oui, samedi... Merci. Ouais, Maryse, une chance que tu es là. Tu es mon assistante, toi, ce matin. Alors, samedi, c'est le lancement du catalogue. Fait que, du mini-catalogue puis de la promotion Celebration. Alors, on est plusieurs. Plein de nouveautés qui vont vous être présentées. Des idées en masse. Fait que, ça va vous faire découvrir des collections puis des jeux d'étampes puis toutes sortes de choses. Puis, ça va vous inspirer, on l'espère. Si je vous ai pas invité encore, ben dites-le. Puis, ça va me faire plaisir si vous êtes, bien sûr, cliente avec moi, bien sûr. Alors, une belle année encore une fois à chacun de vous autres. Et puis, ben, à bientôt, à bientôt. Et puis, pensez pour la classe aussi. Ben, c'est ça. Passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye.